Bonjour tout le monde, ici Jake sur Iva Sound Studio. Bienvenue. On est ensemble toute la journée. En tout cas, jusqu'à ce que je termine ce jeu, comme vous voyez affiché à l'écran. Aujourd'hui, c'est du Splasher. C'est un jeu français. C'est un indépendant. C'est un jeu de plateforme. C'est dynamique. Vous voyez le style Céleste, Super Meat Boy, etc. On est dans ce style-là. Mais cette fois, c'est du Splasher. C'est un jeu qui est développé par un ancien de chez Ubisoft qui s'est mis en indépendant et Splasher est sorti en 2017. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Alors il y a un peu de lore, même si le lore en vrai n'est pas si important que ça dans ce jeu. On est plus sur du gameplay que sur du lore. Il y a un peu de lore quand même. Le lore c'est juste que on va incarner ce bonhomme là, ce personnage qui est un employé d'une grande entreprise de peinture. Il va devoir sauver les autres salariés du Big Boss, qui est un docteur complètement fou, il a pété un câble. Voilà pour le pitch. On va y aller. Il faut bien commencer à un moment donné, de toute façon. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller au bout du jeu. Mais alors, attention, pas le jeu à 100%. Au bout de l'histoire du jeu et donc des niveaux. Arriver au moins jusqu'à la fin des niveaux, ça sera pas mal. Le 100% va être très difficile, je ne vais pas m'y coller. Si par hasard il est fait, tant mieux. Si je tombe à côté, ce qui a de grandes chances, c'est pas grave. L'idée est quand même vraiment de rester sur finir le jeu, quoi. L'histoire du jeu, ce sera vraiment, vraiment pas mal. On y va, c'est parti. Ink Corp. Encre Corporation. Ok. Le docteur qui tente de faire des expériences sur les employés. Bon, ben voilà, le pitch, vous l'avez eu à l'écran. Voilà toute l'histoire du jeu. Il va falloir sauver les camarades et fuir, tout simplement. On va voir comment ça se passe. Le jeu a 5 ans maintenant, 2017. Ouais, quelque chose comme ça, 5 ans, 4-5 ans. Ok, alors je suis tout petit. Je regarde les réglages vite fait. Il se peut. Attendez, je me mets là, tout à gauche. Est-ce qu'on voit encore le personnage? Oui, c'est bon, vous voyez encore le personnage derrière la caméra, ça va. Alors, joystick, bouger. Ah, c'est pour sauter. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Il y a quelque chose là-haut. Ah non, c'est pas pour sauter, CB, je suis sur une manette Nintendo. Ok. Et on voit que l'écran bouge vite, donc on comprend que c'est un jeu à speedrun. Il y a un camarade là-haut. Hop, 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 on commence à tomber, c'est pas bon. Alors, on a de la peinture en haut. Ah, ça glisse en fait. Le jeu glisse. 1, 2, 3, 4... Ok. Pourquoi j'ai explosé? C'était pas un bonus? C'était un piège? D'accord, ça commence bien. Le jeu commence bien. 1, 2, 3, raté. C'est hyper dur en fait. C'est le tuto, j'y arrive pas, c'est génial. D'accord, j'avais pas lu le panneau. Panneau, truc explosif, ok. D'accord. Ah, on récupère. Oh mon dieu, il y a des collectibles en plus. Ok. Est-ce que j'ai le droit de toucher ça ou pas? Oui, la peinture ne me gêne pas. Il y a une hélice ici. L'hélice ne me coupe pas. Peut-être quand elle sera rouge, je ne sais pas. On va attendre qu'elle descende. Voilà. Elle est descendue. On monte. Qu'est-ce que c'est? Un checkpoint. Un checkpoint dans un grille-pain. Parfait.
Si vous n'avez pas petit déjeuner, c'est le moment. Il y a un piège en bas, mais il y a un camarade à sauver ici. Avec une lettre. Oh mon dieu, le premier il avait un S et du coup ça fait splasher, c'est ça. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Si je vais en bas. Ah, attendez, il y a un panneau. Ne pas aller en bas. Bon, on va pas aller en bas. Là, il y a un œil rouge qui me suit. Ah, je suis ravi. Ok, je peux grimper au mur avec la peinture rouge. D'accord. La peinture bleue sert à activer des choses. Ah, ça va être... Ok, j'ai pas le choix que de faire un grand saut. Comme ça. C'est à peu près comme ça. Ça, j'ai compris. Ok, alors on accélère. D'accord. Ok. Hop, on y va un peu plus doucement. Bon, jusque là, ça va. Grippe 1. Hélice, on monte. Peinture rouge. Ok, je peux m'accrocher là. Et ça, c'est quoi? Ah, je fais boing. Ok, ça, c'est pour se rebondir. D'accord. Ah, qu'est-ce que j'aime les niveaux inversés. C'est pas vrai. Ok, là, je monte. Ah, la peinture bleue efface. Ah, la rapidité. Ok, rouge. Hop là, c'est bien. On saute en face. Ah, il y a un splasher ici. Je l'ai eu. Mon premier. Un splasher, un personnage, un camarade. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va plus. Jusque là, c'est bon. On monte. Pas. On monte, on monte. On saute. C'est bon. On y est. 1, 2, on va en haut. Ok, on descend là. On monte là. J'ai compris le truc. Grippe 1. Là, on saute. Rebondissement. C'est magique. On rebondit à fond. Rebondissement, rebondissement. Gauche, droite, gauche, droite. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Même pas. Ok, c'est bon. Rebondissement partout, c'est le jackpot. Oh, Ah, ce piège. Ok, alors sauter, sauter, sauter. Sauter. Oui. Ok, c'est bon. Gauche, droite, gauche, droite. Wow, on l'a vu le truc là. Ah. Alors, attendez. Tac, tac, tac. On continue. Je pense qu'il faut y aller d'un coup. 1, 2, 3, 4. Non, faut pas y aller d'un coup en fait. Faut y aller en plusieurs coups. Attention. Là, c'est bon. Là, c'était de justesse. Là, on fait ça. Non, ça va pas. Ça me va pas. Comment je peux faire? Ah, j'ai peut-être compris. Attendez. Comme ça. Voilà. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu et je me prends les 10. C'était pas bon en fait. Tac, tac, tac. Rebondissement. Oui. Là on est bon. Là faut que je parte d'un peu moins loin. Ah non, c'était là. Je vais là, je trace. Je saute. Je vais là. Splasher, c'est bon. Tac. Ok. Là on est bon. Ok, un peu de l'or. Ah non, c'est le docteur qui embarque un camarade à moi. Il y a un portail dimensionnel et qui me... Ah bon, ok, bonjour la politesse, et dis donc le respect il est mort. Non mais... Zone de quarantaine, qu'est-ce que c'est? Attendez, j'ai pas compris. Pas tout compris. Ok, le mouton explosif. Faut que je les enchaîne. Je comprends qu'il faut que j'aille en haut là, mais
Ah mais ça... Je rebondis sur le jaune, on est d'accord? C'était tout? Ah, c'était tout bête en fait. Ah d'accord. Autant pour moi, c'était tout bête. Bon ben très bien. J'ai trop réfléchi en fait. Ok. Allez, le professeur qui s'y fait. Il s'en va avec une fusée. Bouton rouge. Alerte rouge. Ah je tombe. Ah il y a une grille. D'accord, pour déverrouiller ça, activer cette hélice là, il me faut l'encre bleue, donc de l'eau quoi. Eau de nettoyage à efficacité maximale, parfait. Et c'est avec Y. J'en ai illimité ? Waouh. /325/700. J'ai sauvé quelqu'un ou pas? On va dire que oui. Et je peux repasser là? Oh, je vole! Trop bien! Je vole. Pas tout à fait. Oui! Non, je reviens là. Comment je gère? Comme ça. Mais on doit pouvoir aller en diagonale sur ça, attendez. Comment j'ai fait pour aller en diagonale là-haut? Ok. Et là, il y a encore quelque chose. Ok, là on va là-haut, et là on va là-haut. Parfait. Je vais redescendre par là. Là on est bon, il y a quelque chose là-haut, là-haut. Poursuis vite fait le chemin là. Attendez, il y a lui, il fait peur. Ah, qu'est-ce que... Je crois que j'ai raté quelque chose. Il y avait de la peinture dorée qui me rapportait quelque chose et je crois que je l'ai raté. Ok, jusque là on est bon. Ça c'est simple. On peut en avoir plus de 700 quoi. Parce que là je suis déjà à 650 quasiment maintenant, 650. Voilà. 700, objectif 700. Avez-vous assez? Il manque peut-être un mot, je pense. Il m'en manque un petit poil. Et oui, il m'en manque 43. 43, c'est dommage. Exit. Peut-être qu'on va pouvoir refaire le niveau pour aller chercher le truc d'avant. Mais... je m'étais dit pas faire le 100% et là je suis en train de me dire on va quand même faire le 100% du premier niveau quoi. Ah là là. Incorp Hall. Ok. Ah non, le premier niveau c'est ça. Nouveau. Ah, on va pouvoir choisir les niveaux en fonction de... Ok d'accord. On va peut-être y retourner là. Allez, je vois qu'il y a 4 points verts sur 6. D'accord. Attendez, je vais m'enfermer, c'est pas bon. Bonjour! Bienvenue à Incorp, prenez un ticket et restez calme. Vous avez complété 1% du jeu, quelque chose me dit que vous pouvez faire mieux. Ça fait quoi si on spam? Ok. Ah, à partir d'un certain nombre de camarades sauvés,
On est, on va pouvoir débloquer le reste. Bouh, mais c'était sûr en fait. Sûr de quoi? Je viens de commencer, je suis déjà perdu. Je visite, hein, tant qu'à faire, je fais mon Stéphane Plaza là. D'accord. Là pour l'instant, on n'y a pas accès. Là, il y a quoi? Que t'allais vouloir. Ah oui! Mais juste pour le premier niveau, le dernier, j'y arriverai pas, je pense. Où est-ce qu'on prend le ticket? C'est rigolo, ça. Oh, il y a un portail. Speedrun égoïste, speedrun standard. Dans quoi je me lance? Speedrun standard, speedrun égoïste. C'est quoi un speedrun égoïste? Mince, j'ai vu des panneaux, j'ai pas regardé. Ah là 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 là. J'ai vu les panneaux, je les ai pas lus du tout. Du coup, niveau 1. Mais attendez, je vais pas me taper tout le speedrun quand même. Ah mais il y a le chrono qui tourne, au secours. Ok, on trace. Ça commence bien, j'ai raté la première plateforme. Deux fois. Trois fois. 1, 2, 3, c'est bon. On saute. J'ai raté. Et je vais pas avoir le choix que de terminer le niveau avec ça. Oh là là. Ok, grippe, hein, c'est bon. On monte. Non! Et forcément, le grippin. Je perds du temps. Ok, grippin 2. On passe en haut. Ah, flûte! Horrible ce jeu en fait. Pourquoi je choisis des jeux toujours comme ça, horrible. C'est pas chill ça. Pokémon c'est chill. Ça c'est pas chill. Allez, on monte, on monte. On monte encore. La peinture. Ok, on saute. Ok. Ok. J'ai sauvé personne, c'est pas grave, on trace. Du côté. Non. Ok, c'est bon. Boing, 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 boing. Oui. Allez, gauche, droite, gauche, droite. C'est bon, ça passe. Je suis très loin du speedrun, à mon avis. Professeur, on s'en fiche. Là, il va nous faire tomber. On trace. Mince, si je nettoie ma propre peinture, ça va pas le faire en fait. Ok. Non. Pas grave. C'est pas du speedrun, c'est du slow run. Du slow run rapide. Parce que je fais ce que je peux. Fin du niveau. En 3 minutes. Je suis loin d'avoir fait quoi que ce soit d'intéressant. On va arrêter la course de suite. Oui. Mais on revient dans le hall de l'entreprise. Ça sera plus calme. Les chargements sont un peu longs quand même. Alors, meilleur temps. 50 secondes,
75 secondes, 120 secondes. Finissez le jeu le plus vite possible, il n'y a aucun splasher à sauver. Aucune pièce goutte non plus, seule la vitesse compte. Ok, speedrun, c'est vraiment speedrun dans l'aiguille, c'est un mode on trace, on réfléchit pas, d'accord. Mais 50, attendez. On est bien sur des secondes, là on n'est pas sur des heures. Un speedrun ne peut pas se faire, enfin 50 heures de ça, t'imagines, déjà que j'ai eu du mal à dormir 30 heures, enfin à tenir 30 heures, faut pas tenir 50. Non, c'est des secondes, c'est obligé, c'est des secondes, à mon avis ça doit être des secondes que du niveau 1, je pense. Et j'ai fait 2 minutes, plus de 2 minutes, j'ai même pas le classement 3. Ce sont des minutes, c'est écrit finir le jeu. Ouais, en même temps je suis passé de secondes à heure, ce sont des minutes. 50 minutes, 75 minutes, 120 minutes, donc en 2 heures. On peut speedrun le jeu en moins d'une heure. Ça sera pas le cas. Je vous le dis de suite. Par contre, on va revenir ici, histoire de au moins faire ça. Parce qu'il faut quand même un compteur de camarades à sauver. Et c'est le niveau 1, ce sont les plus simples à sauver. Donc autant en profiter. Ah mais ma potion, mon encre bleue là. Ah mince, je croyais que je récupérais quand même le bonus, mais pas du tout. Oh purée. Donc, faut que je me débrouille avec ça. Ok, ça fait 1. Il me manquait le 2 et le dernier. Le dernier parce qu'il me manquait des pièces. Attendez, je réfléchis. Hein. Là, il n'y a pas de pièces. Là, on va fouiller le niveau. C'est clairement pas du speedrun. On fouille le niveau. Il me manque des pièces. De l'or. Ou je sais pas quoi. Enfin, de la peinture goldée, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas là. Là on est bon. Là on est bon. Ok. Je vais y arriver ou et lui comment je le sauve? Il est sauvé ou pas? Ok, maintenant il est sauvé. Ça fait qu'il me manque que le dernier. Donc là, faut... Dites-moi qu'il est sauvé. Oh non, faut le refaire. Faut être prudent. Là on saute. Faut pas que je me trompe. Hein. J'y vais tranquillement. Voilà, checkpoint, c'est fait. Il faut que j'arrive à 700. Il me manque de l'or quelque part. Il me manque de l'or quelque part, mais où? Oh, la peinture. Ok. Ça, c'est bon. Allez, monte. Ok. On trace. Raté. J'ai bien fait de re-temporiser en bas parce que j'allais me planter sinon.
Ça, c'est juste pour rebondir. C'est pas. Tac. C'est pas de l'or, ça. Ok, on est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Non. Non, il n'y a rien là-haut, d'accord. On trace. On trace. On trace encore. Là, faut aller là-haut. Et... Ok. Ça a bien changé Pokémon Snap. Ah oui, non, non, c'est pas du Pokémon Snap là. Hier il y avait du Pokémon Snap, aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, tout aujourd'hui c'est du Splasher. Yuni, vous avez perché. Merci beaucoup, Yuni, c'est adorable. Bonjour, Yuni. Comment ça va? Ben ça va tranquillement, écoute. Normalement sur la chaîne on stream pas le samedi, mais exceptionnellement ce mois-ci et une partie de juillet on va streamer le samedi aussi. Et là l'idée en fait c'est l'idée, ça va être de streamer toute la journée le samedi, mais pour finir un jeu spécifique. Donc par exemple aujourd'hui, l'objectif c'est de commencer et finir Splasher. Un jeu qui est normalement à speedrun. Samedi prochain, on verra quel autre jeu on fera. Mais ça, c'est un jeu normalement rapide. Et moi, je suis pas rapide du tout. Je fouille. Je suis quelqu'un qui fouille les jeux. C'est reparti pour un live de 30 heures. Ouais, non, quand même pas. La durée de vie du jeu est de 6 heures, 7 heures. Si je mets 30 heures à finir Splasher, c'est qu'il y a un problème. Je suis pas bon, mais quand même. Je vais refresh pour voir si ta catégorie change. La catégorie est sur Splasher. Hein. Je l'ai modifié, j'ai fait attention avant le live. La catégorie est sur Splasher. Mais par contre, j'ai l'impression que les catégories bug un peu depuis le début de la semaine sur Twitch. Je sais pas si c'est juste moi. Entre ça et certaines personnes sur Twitch, je n'arrive plus à regarder. D'autres oui, d'autres non. Des fois, il y a l'erreur 2000, des fois, il n'y est pas. C'est super embêtant. J'ai beau vider le cache, etc. Tente de la changer à nouveau si c'est toujours l'ancienne. Mais là, moi, je vois bien Splasher sur mon retour. Je suis à combien, pardon, de 429. 429. Tac. Tac. Oui, c'est bon. Allez, allez. Allez, ça c'est bon. Bizarre, peut-être que ça n'a pas save le changement de catégorie. Après refresh, tu joues toujours à Pokémon Snap. Tu l'as sélectionné, mais c'est pas publié. Bah, sur le dashboard, je vois Splasher, je vois même pas Pokémon. Il y a marqué FR, Splasher, bon, soutenez l'assaut, etc. Et en catégorie, il y a bien Splasher. Attendez, je refresh ça aussi. On va voir. Bon, j'avance un peu. Hein. Je... Tac. Non, j'avance pas trop parce que justement, il y a de l'or à récupérer de l'autre côté. Je regarde. Hein. Attendez, je regarde. Non, sérieusement, en effet, avec le refresh, ça a sauté. C'est quoi cette blague? Pourtant, je l'avais préparé bien en avance. Hein. Splasher. Splasher. Il y a plein de jeux qui s'appellent Splash. Et je joue à Splasher. Splasher. Tac. Entrée. Ok. Je fais refait F5, on va voir si ça fonctionne ou pas. Suspense. Normalement c'est bon là. Normalement. Et j'ai plus mon retour par contre. Je vois le chat mais j'ai plus le retour. Ok, c'est bon. Tout est bon. Allez, on trace. Et là,
Vite l'or. Normalement j'ai récupéré les trucs en or. Ok. Tac. Cinq cent soixante-deux, 622, 682, le 700 arrive, je pense. Yeah, c'est bon pour le 700, parfait. Ah. Et bien voilà. Special. 100%. C'était le premier niveau. Que le premier niveau. Il y en a 22. Sans compter les speedruns que je vais esquiver. Waouh, la petite médaille. J'ai fait 2% du jeu. C'est niveau 2 du coup. Potatoes Inc. GG, merci. Merci, merci. Mais ce ne sont que 2% du jeu. Ah, il t'en manque un. Ah. Ici, nous cultivons votre futur. Serre Dink Orp. Oui, le greenwashing, tout ça. Personnellement, je ne fais pas confiance à une entreprise comme ça. Excusez-moi, mais... Je préfère l'agriculture biologique. Oh là, il y a de l'or partout là. Il y a un portail aussi. On va commencer par le portail. Ah ! Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Non mais je vais dedans. J'ai voulu le taper avec la peinture et je vais dedans, bravo. Le mug GG. Le magnifique mug GG. Il faut qu'on voit avec avec Touch, donc le monsieur qui nous a fait les emotes, pour en faire une ou deux autres en fait. Et qu'on réfléchisse à la suite des emotes, parce que je me pose pour discuter de ça. Parce que en vrai, enfin, je sais pas si vous aussi sur vos chaînes vous avez eu ça, mais il y a Twitch, ils ont envoyé un mail. Et notamment, il y a les Twitch Day, Prime Day, tout ça à la fin du mois. Mais ils ont envoyé un truc, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur Twitch. Et notamment, alors, il y a certes des emotes de sub, mais il va peut-être y avoir bientôt des emotes de follow. Du coup, ça voudra dire qu'il va falloir faire des emotes aussi que j'ai réservé aux followers. Et on va peut-être avoir accès à plus d'emotes encore. Donc, regardez vos notifications, vos mails Twitch et notamment vos Twitch Prime. Et regardez ce que. Enfin, c'est très détaillé, le mail est très très long. Mais prenez le temps de le lire, ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place en bêta via quelques dizaines de streamers seulement dans le monde. Mais je pense qu'à la rentrée, ou fin 2021, 2022, ça va être démocratisé. Et il faut réfléchir déjà à ces histoires donc de un peu plus d'emotes, et notamment d'emotes de followers, en plus des emotes de sub. Et on va avoir accès aussi aux emotes animés qui commencent à arriver. Et ça, c'est encore autre chose. Bon, voilà, c'est la parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse. Attendez, parce qu'on m'a fait la remarque l'autre fois. La parenthèse. Parce que les gens aiment bien. On dit que je faisais les gestes de ponctuation, je les faisais souvent avec les vrais gestes. C'est mon côté italien, ça. Non. Bon, on avance parce que pour l'instant, on est qu'au niveau 2. Quand je serai de niveau 2.
Hop là. Y a pas des choses cachées là ? Oh, attendez. Y a forcément des choses cachées, non ? Ça paraît bizarre. J'ai lu que les mails des Prime Davis étaient dedans. Y a des choses. Alors, faut lire en entier. Il y a certes les Prime Day en mode allez-y, dépensez, cassez votre carte bleue. Mais il y a des choses aussi sur, liées au streamer. Faut fouiller partout. Si le mail n'est pas forcément. S'il n'y a pas les détails dans le mail en français, faut aller chercher le même mail, mais dans les notifications directement sur Twitch, et qui est en anglais. Hop là, on descend. Et... Alors attendez, je réfléchis. Ça se casse pas ça? Ah, j'ai eu peur. Gestion de la caméra sur 20. Et là, il y a un truc de saut. Hop là. Allez, lui, il est sauvé. C'est le deuxième. Parfait. Là il y a un pot de fleurs. J'espère que j'ai rien oublié. Wow, oh putain, pardon, excusez-moi, il m'a fait peur. Sur Twitter j'ai vu qu'il propose aussi de mettre des emotes animées. Ouais c'est ça. Ça peut être sympa, mais alors il faut que j'ai peur que ça passe trop dans un chat. Ça peut être sympa. Ça dépend comment c'est mis, avec quelle résolution, enfin résolution, la qualité, etc. J'ai vraiment peur que ce soit mal fait en fait. Enfin, mal proposé par Twitch, du moins. Parce que mal fait, non. Les artistes seront toujours au rendez-vous, ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment que Twitch ne se plante pas dans les réglages, etc. Twitch, ils ont tendance, à mon sens, à faire des choses très bien. Mais des fois, ils peuvent faire des grosses erreurs et faire des choses très mal. Faut pas oublier que derrière Twitch, c'est Amazon, quoi. Je veux pas dire que c'était mieux avant, mais c'est pas tout à fait vrai, mais bon, il y a certaines choses quand même, on est en droit de se poser la question. Bref, voilà. Ouh, j'ai failli aller dans les lasers. Ce serait bien même si c'est... Pardon, excusez-moi. Ce serait bien même si c'est... Même si c'est déjà plus ou moins le cas avec BTTV finalement. Alors par contre j'ai pas tous les sigles et trucs sur lui. C'est quoi BTTV? J'ai l'impression que c'est un groupe de K-pop, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Oh purée, je viens de comprendre la mécanique ici. Ah mais ça va être horrible. Non, je l'ai tué. Non. Oh purée! J'avais pas vu les hélices! Oh, je suis deg! Oh purée! Better TTV, c'est une extension navigateur qui ajoute plein d'émotes gratuitement plus des options pratiques. C'est pas toi qui m'en avais parlé l'autre fois? Le petit pote. Ouais, j'ai perdu mon camarade. C'est hyper piégeux. Ah, je suis deg. Et là, il y en a... Ah ouais, mais... Il est sadique, le jeu, excusez-moi. C'est bon, ça va, il est sauvé. Faut que j'aille trouver un checkpoint, sinon je vais me rater. J'ai dit tellement de trucs des fois. Si, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, il me rate de cette extension. C'est soit toi, soit Ralga, soit Imagiro, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Après, personnellement, je suis pas fan d'avoir 50 extensions sur mon navigateur. Parce que ça bouffe quand même un tout petit peu de puissance. En extension, j'en ai déjà... Attendez, je regarde. J'en ai déjà 4, et ça, rien que 4 déjà, ça me paraît beaucoup. J'ai forcément un bloqueur de pub.
Alors, libre, bien sûr, avec des valeurs éthiques et tout, pas comme Adblock. Adblock est nul, il y en a d'autres mieux. J'ai une extension par rapport à Instant Gaming. J'ai Vidéo Speed Controller qui me permet de regarder les séries Netflix légèrement en accéléré. C'est pas bien. J'ai le Chrome Remote Desktop pour pouvoir contrôler le bureau, faire du bureau à distance. Très pratique quand je suis dans le train, ça. Et je regarde, je vous raconte ma life au passage. J'ai Amazon Alternative qui est super. C'est une extension. Oh, j'en parle un jour en stream. Amazon Alternative. Alors, je suis malheureusement client Amazon, forcément Twitch Prime et de manière Twitch, etc. Et Amazon Alternative permet que quand on est sur Amazon, au moment d'être sur la page du produit, il y a ajouter au panier, et juste en dessous, il y a un bouton qui se rajoute avec acheter plutôt dans ces boutiques-là, avec des boutiques un peu plus éthiques, qui proposent des produits similaires. Et je trouve ça super bien, et ça permet de mettre en valeur des indépendants, des boutiques vraiment beaucoup plus éthiques, qui ne font pas dans le greenwashing, mais vraiment qui ont des vraies valeurs éco-responsables, etc. Oh purée, attendez, faut que je grimpe là. Yes. Oh, oh, oh. Est-ce que avec l'angle, c'est bon, je peux l'avoir. Mais il va falloir jouer le portail. Ok, pour l'instant, c'est on tire partout et on regarde jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est tout? J'ai pas besoin de m'accrocher au mur ou quoi que ce soit? Il est facile ce jeu. LOL! Et là. Oh purée! Bien visé! Yes! Oh purée! Il va falloir bouger le laser jusqu'au bout? Ne pas se planter, ne pas se planter, ne pas se planter. J'espère que j'ai rien oublié. À part un splasher que j'ai tué, mais bon. Non, 793. Oh non. 793. Oh purée. Oh là 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 là. C'est parce que t'as tué ton pote. Oui, oui. Je suis tellement déçu. Il va falloir le refaire. Malheureusement. Oui, le 100%, tout ça. Pour le fail. Je crois que le prochain mug, ça va être RIP. Faut vraiment un mug RIP. Bon, on le refait, hein. Ah, mais attendez. Je viens de capter un truc. En fait, quand on le refait, il faut quand même re-sauver tout le monde. Et pas juste celui qui nous manque. Parce que le tout dernier, là, avec la monnaie, on peut pas le débloquer sinon. Ah. Oh. Ça va faire quoi? 3 quarts d'heure quand je stream? J'ai fait 2 niveaux. Bon, on y est jusqu'à demain. Hein. J'ai pas préparé le thermos de café, j'ai juste ma gourde d'eau. Et c'est tout, quoi. Bon, attendez, à la recherche de la monnaie. Monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. On n'a rien vu. Oui. Oui. Ah, là, il y a de la monnaie. Monnaie comme le peintre, bien sûr. J'y arrivais, oui. Ok. Alors là, c'était tiré partout.
C'est bon, la monnaie, rien oublié. Allez, go. Parfait. RIP, jeu de mort. Avec son œuvre, Mona Lisa, tout à fait. Mona Lisa. Elle est bien, ça, là. D'ailleurs, Copain Imra, enfin d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, en fait, je change de sujet complètement. Je sais pas encore sur quoi on sera mardi soir pour Mardi Va Sound, mais j'aimerais bien vraiment tenter le Bomberman multi, en fait. Le Bomberman 64. Je pense que ça peut être bien sympa, ça, et puis ça changera de ce qu'on peut faire habituellement. Comme ça, on change de type de jeu, etc. Il me tente beaucoup comme jeu. Ouais, il a l'air bien. Oui, je vais y arriver, oui. Ah bon. Et en plus, l'avantage de Bomberman, c'est que il est cross-platform, donc peu importe la plateforme sur laquelle on joue, et eh ben ça peut fonctionner. Oh, je me suis fait eu. Je me suis refait eu. Oh là là, c'est une œuvre de Claude Monet. Johnny Monet. On peut faire plein de jeux de mots, en fait. Je viens d'y penser là. Est-ce que ce jeu est un jeu de speedrun? On se pose la question quand on me voit jouer quand même. Tac. 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 Et là, c'est le piège. Ah non, ça va, c'est pas le piège. C'est après le piège. C'est juste après. Tac. Le grille-pain. On monte encore. Ah, raté. Voilà. Ok. Là, on clean. Que dites-vous dans le chat? Quand t'es enrhumé, tu dis mon nez bouché. Mon nez bouché. Ah là là. Au menu, c'était bœuf engelé. Bœuf robot. Hein. C'est bœuf robot. Personnellement, déjà, je suis pas très très viande. Là, je l'aurais été encore moins. Allez, le grippe. Hein. Ok, ça trace. Ça trace. C'est pas loin, non, où je l'avais tué, mon camarade. Je crois que c'était ça. Voilà, c'était là. Alors attendez, je réfléchis. Oh, faut avoir une dextérité de malade en fait. C'est que le niveau 2. Ah mais non, mais je suis bête, j'avais juste à tomber dedans en fait. Voilà, lui il est sauvé, mais moi si je meurs, c'est pas très grave, lol. Ok, c'est bon, c'était pas compliqué du tout. C'est juste que j'avais pas ouvert les yeux plus que ça, voilà. J'aurais dû me faire un thermos de café et pas d'eau. Style, alors qu'il a déjà pris un quart de litre de café ce matin. Oh, j'en rachète d'ailleurs, je commence à être à court de café moi. Alors attendez, là je me concentre. Et bon appétit bien sûr. Ah oui, avec le fameux générique. Voilà, maintenant vous l'avez en tête. Oui, non. C'est pas grave. Attendez, mais non, c'est pas grave en fait là. Vu qu'il y a le checkpoint. Mais est-ce que mon celui d'avant il est sauvé? Je crois que celui d'avant il est quand même sauvé. Hein. Yes, ça va. Je sais que lui, je l'ai sauvé tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Et maintenant? On attend. Maintenant, on attend. Joël Rebuchon, exactement. Et s'il était savoyard, ça aurait été Joël Reblochon. Lol. Je viens de créer le pot tartare. Mais c'était sûr! Je sais pas si c'est son nom. Yes! Allez, de l'argent.
Attendez, il y a deux passages là? Je suis passé par où tout à l'heure? Par un haut ou par un bas? Il y a deux passages? Je me souviens pas de ça. J'ai raté quelque chose en haut. Purée. Excusez-moi. Il y a quelque chose ici que j'ai raté. Ah non, c'est juste que... Ok. C'est pas grave. Aveugle man. Hop là. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un pote au feu. Ah, le pote au feu, il est chaud bouillant, lui. C'est le pote qui en soirée, il embarque partout. C'est un pote, il aurait pu faire de la magie. S'il était au chaud au mage. Voilà, c'est une... Blague nulle. Ah oui, là, il fallait sauter comme ça. Là, on clean la monnaie. Là, faut pas que je me plante. Et là, faut pas que je me plante. Il faut arriver à 700. Yes, 700. Là, le laser. Ok, laser, c'est bon. Fin du niveau, on clean et on est à 712. Un poil quand même. Sur Overwatch, on te dit le pot on fire. Pot on fire. Le podge. Je joue tellement plus à Overwatch. Juste une partie de temps en temps, c'est horrible. Pourtant, j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus quand il est sorti. Et même l'année avec la suivi. Mais aujourd'hui... Je suis pas fan de la méta qu'ils imposent deux heals de tank de DPS. Ça va changer avec Overwatch 2, mais à partir du moment où ils l'ont imposé, je trouve que ça a cassé le jeu. Enfin bon. Easy. Oui, le 100% que je visais, que j'avais... Ah, la... oh, attendez, c'est quoi ça, standard LR? Mais il y a combien de modes de jeu dans ce jeu? Il y a du standard, c'était mon objectif principal. Il y a du speedrun de la mort qui tue. Hop là, ici. On remonte s'il te plaît. Il y a du speedrun encore plus de la mort qui tue. Et maintenant on me dit qu'il y a un contre la montre. Au secours. Bon, alors, on va aller niveau 3. Hein. Moi, j'y joue de temps en temps, j'aime bien. Mais une fois de temps en temps, ouais, mais encore une fois de temps en temps, disons que si je fais une à deux sessions de jeu, je vais pas dire game, sessions de jeu dans le mois, c'est bien, tu vois. Mais je retrouve pas le plaisir que j'avais quand je jouais à Overwatch avant. Ça, c'est clair. Si, sur les events PvE, j'aime beaucoup les events PvE d'Overwatch. Ça, oui. Puis ça apporte du lore, quoi. Raffinerie. Raffinerie de Stick Ink d'Incorp peinture fraîche. Attention. Où vous mettez les pieds. Point d'exclamation. Le texte était lent. Honnêtement, j'y ai pas rejoué depuis la dernière fois avec Nostra. Bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Alors attention, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais. Il y a des choses bizarres. Ah, apparemment, je suis déjà recherché par tout le bâtiment. Regardez, il y a un panneau ici, là. En 30 heures, tu as le temps de faire tous les modes, non? Ça y est, on se moque de moi. Ça, me poussez pas à refaire un live de 30 heures, là, maintenant. Hein. En vrai, je ne referai pas de suite un live de 30 heures. Néanmoins, pour la fermeture, la clôture de la campagne, il y aura un live long. Ça sera peut-être pas 30 heures, ça m'étonnerait. Il y aura un live long, bah déjà pour clôturer, pour papoter, les remerciements, apporter des détails, etc. Plein d'activités. Mais 30 heures, non. Et surtout que pour... Attendez, je pose. Mais surtout que pour le live de clôture, je me rends compte d'un truc.
c'est que je pourrais pas prendre le live dans la journée, parce que ça sera la nuit enfin, du samedi au dimanche. Sauf que le samedi 4 juillet, au moment de la clôture de la campagne, à 16h55, je reçois ma deuxième dose de nanoparticules 5G de chez Pfizer. Et ça veut dire que je prendrai le live un peu à la bourre. Ou alors faudra que quelqu'un d'autre dans l'équipe prenne le live avant et je prendrai le relais en suivant. Faudrait faire ça, je pense. Mais par contre, on traînera la nuit, ça c'est clair. Je te pousse pas, j'ai mis un kappa. Non, à peine, bien sûr. Pour moi, un kappa, à la base, c'est une marque de jean et de sac à dos. C'était pas pour vous. Peut-être avez-vous connu ça aussi dans vos années collège, peut-être lycée. J'avais même un sac que j'aimais beaucoup, beaucoup. C'était un sac DDP. Au collège, un sac DDP. J'ai eu un sac Rip Curl aussi. Et je crois que mon sac du lycée, je l'ai encore en fait. Je sais plus quelle marque c'était, mais je l'ai encore mon sac du lycée. Il est à côté en plus. À côté ailleurs. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, il est quelque part. Je me souviens pas avoir eu 10 packs par contre. Tout le monde avait des ispacks et du coup ça me saoulait. On est déjà deux à avoir parlé du live de 30h tellement on a compris. Merci, merci. Ils font des super tennis aussi. Ouais, c'est vrai. J'appelle ça des baskets, moi. D'autres appellent ça des tennis. Wow, pop pop. J'ai vu. Oui, le grippin. Alors attendez. Hop 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 hop. Attendez, je réfléchis. Voilà, c'est bon, j'y réfléchis. Tac. Tac, tac. Oui. Oh. Alors attendez, il y a un bœuf. Robot. J'ai un camarade. Attendez, 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 attendez. Donc je saute, je sauve le camarade. C'est d'abord sauter. Hein. Sauter, sauver le camarade, le bœuf. Hop là, c'est bon. Ensuite. Soit je reviens là-haut. Et je fais comme ça, comme ça. Soit je tente ça. Et comme ça. Grippin. Allez, grippin, c'est fait. Est-ce que tu mets plus de peinture? Oui, c'est bon. On monte. On monte encore. On récupère l'argent. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok. Ah mais ça se joue à un pixel là. Ok. Hop là. Allez. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon, grippe. Mais là c'est très haut quand même sur la gauche. Y'a quoi là-haut là? Y'a rien. Y'a un truc là-haut, y'a un truc en bas. Alors attendez, ne pas se planter. Ok, ça c'est bon, on remonte.
on remonte, on fait ça, on fait ça. Ouh, j'ai sauté, j'ai eu Nice, basket, Sneaker, c'est du pareil au même. C'est vrai. Après, ça dépend des gens, hein, de toute façon. Même si Sneakers, ça peut, c'est des barres chocolatées. Oui, le portail. Oh purée, j'ai eu peur. C'est bon, c'est fini? C'est bon, c'est safe? Ok. Nickel. Ok. Allez, les grippes, hein. Grippe 1. Et ça devient technique là le jeu. Voilà. Oh purée, vous le voyez le camarade sur la droite là? Oh là là. Ok. Il manque un peu, voilà. Allez, grippe 1. On est là. Regardez, je suis là. Allez. Je suis là. Allez, viens, petit bonhomme. Viens. Viens, on est bien. Viens, viens, viens. Comment je peux la voir? Attendez, je réfléchis. Je vais foncer comme ça. Ah! Mais lui, je l'ai comment là? Je peux pas faire un saut comme ça. La gravité va me poser problème. Attendez, j'ai compris. Voilà, c'est bon. J'ai fait une bêtise. Voilà. Allez, il y en a un qui est tombé tout à l'heure là. Comment le buff de brain? Ah mais complètement. C'est bon, j'ai tout là? On va dire que oui. Ok, alors maintenant rapidité. Ok. On est bon. Et on est à 700. On est à cette sorte. Bah parfait. 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 Voilà. Pas besoin de retourner dans le niveau du coup. Yes.
Ah là là, facile ce jeu. Oui, bien sûr. Facile ce jeu. Bien sûr. Tout à fait, ouais. Ah, accès à deux niveaux. On va commencer par là. Ben, c'est pas là qu'il a déverrouillé. Il n'en a pas déverrouillé deux. Il doit être aveugle. Merci. C'est très rigolo de mettre plein de GG comme ça. Ah, c'est de l'autre côté. De l'autre côté où? Ok. C'est beau. Alors. Brasserie. Peinture. Fraîche, encore une fois. Port du casque, fortement recommandé. Raffinerie. Ah non, c'est raffinerie, pardon, j'appelle du brasserie, pardon. Bon, je vais devoir passer en mode radio, faut que je monte le nouveau PC de ma maman. Elle a encore un ancien PC 2005-2010. Ah oui, ça remonte. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Oui, tous les GG, c'est chouette. Et oui, vas-y, il me refait ta vie, hein, de toute façon. C'est normal. Pardon, un PC de 2005-2010. C'est Windows Vista dessus? Très bien, ça peut faire du rétro. Tu m'étonnes. Allez, on peut y arriver. Oh, mais rebondir, rebondir, rebondir. Non, raté. Rebondir, rebondir, rebondir. Raté. Rebondir, rebondir, rebondir. Rebondir, rebondir, rebondir. Oui. Edin. Non, c'est ça le pire à la Windows 10, mais tous les composants sont des fossiles. Ah ouais. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Ok, checkpoint. Aïe 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 aïe. Maintenant, je vais où? Peut-être par là. Peut-être par là. Je l'ai eu, purée. J'ai perdu. Allez, ça c'est fait. Ah oui, d'accord, maintenant on est sur des énormités comme ça. Ah d'accord, les splashers, on peut pas les... Il faut les resauver, mais par contre les pièces... On est bon au niveau pièces? Non, attendez, il manque un truc là, c'est pas possible. Bizarre ça. Ok. Ok. Attention. Et c'est là. Ok, j'ai eu chaud. Du coup, j'ai commandé toutes les pièces, je lui montre son PC comme il n'y connaît rien. Ah, bah, au moins, c'est chouette, hein, franchement. Tu lui montres son PC, quoi, je trouve ça bien. Puis c'est plus intéressant d'avoir un PC monté soi-même pour déjà savoir ce qu'il y a vraiment dans le PC. Mais en plus, au moins, tu payes pas
le montage du PC. Je rigole en te voyant, mais en vrai, je crois que je serais bien 10 fois pire. Ce genre de jeu, je suis calamité dessus. Ben, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Mais normalement, je les fais juste de mon côté, je les stream pas. Parce que je suis très, très, très mauvais, en fait, dessus, sur ce style. Là, j'essaye de faire attention. Mais sinon, je préfère vraiment les vrais types rétro. Les vrais, vrais anciens jeux rétro. Sinon, quoi d'autre les indés, beaucoup, beaucoup de vrais indés avec de l'histoire. Et des histoires qui ont du sens. Je suis pas très triple A. Je reconnais, je suis pas très triple A. À part certaines licences, mais sinon, je suis pas très très triple A. Je crois que j'ai raté des pièces. Le laser m'a fait flipper. Dommage. Ah, purée. Ah, purée. Ah, j'ai compris. Faut taper le truc de derrière. J'espère que je perds pas des pièces à chaque fois. Ça m'embêterait. Je suis obligé d'aller sur le buff. Ah, je crois que je peux passer en fait. Je sais pas pourquoi je m'embête, mais il me semble que je peux passer. Ah! Oh! J'ai même pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès du tout. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauter. Ça va, tu vois. Vous êtes sérieux? Ok, ça va en fait, c'était pas compliqué. Allez, grippe. En fait, là, je crois que le jeu commence et que ça se complique. Ah, allez. Ah,
Ah d'accord. Tout simplement. Tout simplement. Waouh, 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 waouh. Wow. Allez, Grippin. Il y a un splasher en bas. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu du tout. Ah, bon, c'est pas grave, il y avait le checkpoint. C'est bon. Ok. Mais là, il y a des lasers là. J'avais dit que je devais finir le jeu, c'est ça? Pourquoi j'ai dit ça? Au secours, là c'est au secours. Ok, c'est bon. Ok. Ah mais c'est la fin en plus. Oh ça va. C'est la fin. Tranquillement. On n'aura pas à y revenir dessus sur celui-là. C'est quoi, quatrième niveau? Je crois que c'était le quatrième. Quand même quelque chose là-haut. Hein. Ouais, il y a quelque chose là-haut. Attendez, c'est par où? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ça va être par là. C'est pas par là. Par où on descend? Non, c'est pas par là. On peut pas descendre par là. Ah, ok, par là. Et non plus. C'est pas par là non plus. Ah d'accord. C'est parti, nouveau niveau. Niveau 5.
un niveau avec des jets d'eau. Réserve d'eau d'Incorp. Ne pas nourrir les poissons. On voit derrière là. Attendez, attendez, j'ai raté des pièces. Ok, lui c'est bon. Grippin direct. Ils ont quand même mis le checkpoint de suite. Hein. Pas très compliqué là. C'est pas très très compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup d'eau, ça veut dire très peu de peinture. La musique est super chouette. Pourquoi il y avait un truc là? Pourquoi il y a ça? Il sert à rien lui. Pourquoi est-ce qu'il est là? J'ai raté un truc? Non, je crois pas. Peut-être juste pour dire qu'il y a un truc en haut. Allez, checkpoint. Checkpoint, checkpoint. Est-ce que c'est clean? Ouais, c'est bon. Je vais supposer qu'on peut mourir écrasé sur ça. Ok, d'accord. Checkpoint. J'ai peut-être raté quelque chose, je pense. Oh, un passage de la mort qui tue. Il y a un autre portail. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? On va regarder avec le portail. Ah bah, il y a de l'argent. Je vais y arriver, on y croit. Hop là. Ah, j'ai vu le truc, j'ai fait ok, je meurs. Allez, on y retourne. Ok, ça va, c'était simple. Ensuite. Non!
Faut pas que je refasse le... Non, c'est bon, checkpoint. Oh, purée, si. Faut que je le refasse. Ah, quoique, peut-être pas. Il n'y a pas le portail. Il n'y a pas le portail. Ah Ok, checkpoint. Ne vois rien. Allez, ça c'est pas compliqué pourtant. Ça demande un minimum de dextérité, ce qui me manque le plus dans la vie. On va y aller mollo. Oh. Ok. Je vous laisse, j'ai 2 heures de répétition d'orchestre qui m'attendent. Bon courage. Oh, de l'orchestre, c'est trop cool. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, ça m'intéresse. Bon courage, bon après-midi, Bonnie. Ah purée. Il faut que j'aille le chercher là-haut. Ok. C'est bon. Fin du niveau. 700. Non, j'ai pas 700. Et il n'y a pas de dessous. Ah, oh, j'ai raté des pièces. Non, 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 je suis à 7697 là. Non. Ah, purée, je suis deg. Ah, dommage. Ah, je suis vraiment... Dommage, dommage. Oh, purée, c'est... Voilà. Il me manquait rien, mais j'ai pas envie de le refaire, ce niveau il est ultra dur. Du coup on va avancer. Niveau 6. Allez, niveau 6. Ça fera un quart du jeu, je crois. Mais plus ça va, plus ça devient difficile. Bon, en même temps normal. Mais... Problème de connexion. D'accord. J'ai tué mon copain. Ah, je... Non, non, je recommence. Hein.
Voilà, ça c'est fait. Nickel. On est déjà à 200. Le sol tremble. Hein. J'aime pas beaucoup ça. Oh non, 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 pas les niveaux comme ça. Pas les niveaux comme ça. Non, 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 non. Oh, je déteste ça. Plein de choses. Et d'où il est monté si vite le truc? Il est monté d'un coup. Oh, oh, c'est calme. Allez, pas assez rapide. Checkpoint. J'ai pas croisé mes camarades, je sais pas où ils sont. Ah, dommage. Non. Oh, pas assez rapide de nouveau. J'ai failli faire une bêtise. Je pense que je perds du temps sur cette partie-là. Allez. Ouais, ouais, je perds du temps. Je perds clairement du temps. Je vais tenter autre chose. Alors, pas comme ça du tout, c'est pas ce que je voulais faire.
ça c'est obligé de faire comme ça. Là on saute, on ressaute. Là pareil. C'est ici. C'est juste après là. Je pense que je peux. Ah non, je peux pas. Ok, j'ai rien. Bon, c'est perdu. Perte de temps encore. Voilà. Et j'ai qu'un camarade sauvé. Je pense que j'en ai raté beaucoup. C'est déjà 427 pièces ou monnaie ou ce que vous voulez là. Je pense que j'ai vraiment raté des choses. Hop. Ok. Voilà. Ici, on saute, on monte, on continue, on attend. Voilà. Ok, jusque là ça va. Ok, checkpoint. Il y a des trucs là-haut. Oh non, nouvelle peinture. Appuyez sur A. Et non. Ok. Ah ouais. Pour l'instant, on est dans du tuto de nouvelle arme. Et comment je fais? Comment je fais pour passer? Attendez. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai pas compris ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ah, je récupère quand même l'argent comme ça, parfait. Yes. L'argent récupéré. Et là, je vais où? En face? Ok, faut pas que je me plante dans les peintures en fait. Je crois que j'ai compris. Faut tout refaire.
que là ça va. Niveau 100%. Mais qui dit deuxième peinture dit difficulté accrue. Et que donc on aura accès à la troisième peinture plus tard. Logiquement. Ah, l'écouteur me gêne. Je vais me mettre comme ça sera plus simple. Alors, où allons-nous? Ici. D'accord, très bien. Niveau 7. Serre de Incorp. Patate mutagénique. Haut de gamme pour performance haut de gamme. Ça commence bien. Attendez, je réfléchis. Ah bah tout simplement en fait. Ah, pas assez. Voilà. Non, j'ai fait l'autre, purée. Voilà, c'est bon. Et moi, je monte comment après? Comme ça. Allez, checkpoint. Parce que là, on est bon. Comment je... Ah, par en haut. Par en haut.
Allez, c'est parti. Bon, c'est le même principe. Voilà. Ça, c'était bon. Ça, j'ai compris. Va falloir que je me lance là-dedans, là. Ok. Faire le tour, d'accord. Ah non, en fait je peux passer par là, j'avais juste ça. Bon bah nickel. Attendez, il y a un truc. Voilà. Faire ça plutôt. Plutôt me mettre au milieu du machin. Allez, on va dans le portail. Je pense que c'est le mieux à faire. On va dans le portail, bien sûr. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Il fallait tous les coller sur la droite, mais en fait non, ça va. Je vais pas regarder s'il y a autre chose là-haut, ça m'embête un peu. Oh, celui en bas là.
Allez, on y croit. Ou alors, j'y vais en mode gros YOLO. Comme ça. Non, pas comme ça, justement, parce que... Ah, le truc, il m'a gêné. Salut la moto. Bon, il y a l'idée. Il y a l'idée comme ça. Pas comme ça. Mais il y a l'idée. Oui, non. Bon, c'est ça, mais presque ça. J'ai raté les pièces. Bon, c'est pas grave. Yes. C'est bon. Là, faut pas que je me plante. Ok, checkpoint. Il m'en manque encore pas mal. Donc une trentaine. Normalement là-haut c'est fait, voilà. Pourquoi 682? J'étais à 683 il y a un instant. Ça va, 710, c'est bon, mais je rate des mini pièces quoi. Ah, ça m'embête. Bon, ça va, niveau terminé.
fait 7 niveaux. Ok, 7 niveaux en 2 heures à peu près. C'est pas mal. Pourquoi je reviens là-dedans? C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Direction ce nouveau niveau, le 8 je crois, 8 ou 9, 8, 8, Rain Man Origin, oh, on va s'amuser, fabrique de pâte à troupe, Incorp, tout intrus sera grillé, ah, là on est avec des lasers de partout. Je peux mettre de la peinture sur là-haut, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je passe comment là-dedans, moi? Il faut du rebond, mais... Il faut clairement du rebond. Que je n'ai pas. Donc interdiction d'utiliser la peinture rouge ici. Ok. Bon, j'ai compris le truc. Le truc c'est que j'ai besoin de ces pièces. Si je veux le vraiment finir le niveau, je pense que je vais avoir besoin nécessairement de ces pièces. Je pense avoir compris un truc, mais c'est Splatoon 2D. Non, non, non. On est vraiment sur... c'est censé être un jeu speedrun que je ne speedrun absolument pas, vu que je suis pas bon. Après, oui, enfin oui, il y a de la peinture. Si on va par là, oui, oui, de la peinture. Mais c'est pas de la bataille. C'est un jeu où...
Hop là. Et en fait, il y a le directeur de l'entreprise de peinture. Il injecte de la peinture dans ses employés et l'idée, c'est d'aller sauver les employés du grand big boss de la multinationale, etc., etc. Tout en étant dans un monde à speedrun, enfin des niveaux à speedrun, et c'est très dur. Du coup, je les speedrun pas. Je fais les niveaux tranquillement avec les petites histoires, mais non, je vais pas les speedrun. Ok. Ok. Oh yes, c'est bon, ça c'est fait. Ensuite. Allez, checkpoint. Et je passe comment là-dedans, moi? Comme ça. Ok. Et le petit portail de l'amour. Normalement, c'est quasiment la moitié du niveau. Oh purée, mais j'avais pas vu, faut tracer là. Vite, trace! Oh purée. Quel nul, je fonce alors que le laser il revient, quoi. Voilà. Et là, réfléchir. J'ai raté plein de pièces, c'est ça? Il y a de grandes chances que j'ai raté les pièces. Ouais. Et de nouveau le portail. Yes, là, je suis ravi. Mais je vais arrêter de viser à côté. Ok, ça va.
c'était compréhensible. Mais qu'est-ce que je... Voilà. J'ai failli me faire tuer par la vache. Alors c'est des carrés. Hein. Ah ok, j'ai compris. Là on attend. Il y avait juste à attendre, c'est parfait. Non! Ah, une mèche de cheveux près. Descends! Pourquoi je suis pas descendu? Bon, là, j'étais pas synchro du tout. Rapide. Allez, c'est 600. J'ai pas fait gaffe à combien on était avant. Tout ça pour aller récupérer la pièce qui me manquait, quoi. Ça passera pas. Allez, si ça passe. Ce passage là ça va mal, je comprends.
Ok, c'est bon. Il faut le checkpoint. Que je vais me prendre là, direct. Allez, ça c'est fait. C'est bon, je l'ai sauvé. On est à combien de pièces du coup, je sais pas. 710, nickel, allez c'est bon, c'est fini. Fin du niveau. Yes. Ça fait 8, je crois. Je crois que ça fait 8. Ça fait 8. Et direction le 9. Stick on the water. Réserve d'eau douce d'Incorp. Gardez cet endroit propre. Et la musique douce. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que... Il a tiré de l'eau. Ok, d'accord. Ok. Et le petit portail. Alors, on réfléchit. On réfléchit. Ça, c'est un fait. Non. Ok, ça c'est bon. Non, il est passé. Mince. Oh purée. Et moi je prends la scie. Là. Voilà. Et là on est bon. C'était le premier. Voilà. Là, on va s'amuser, je pense. On va vraiment s'amuser.
Il est où le machin qui enlève la peinture? Il va y en avoir un là. Oh là là, il est juste là où. Oh mais le. Ouh. Alors lui. Lui pour l'avoir, on va. Oh là là. Lui pour l'avoir, ça va être une grosse blague. Attendez. Je crois que je l'ai eu. Allez! Faut que j'atteigne le checkpoint. Non! Je sais où était mon erreur. Parfaitement où est-ce qu'elle était. Je... Oh là là. Je sais parfaitement où était mon erreur. J'étais sur l'eau là. Là j'étais sur l'eau, je suis désolé. Hein. Voilà. Pas très de l'édit, mais c'est pas grave. Ça passe, c'est le principal. Je voudrais refaire comme le premier passage, c'est très bien le premier passage. Voilà, comme ça, presque ça. Récupère l'argent. 3 vite la glissade. Nickel. Pourquoi je glisse sur l'eau là? C'est pas normal hein. On va y arriver. Voilà. Ça c'est bien. Pourquoi je glisse sur l'eau? Je comprends pas. Oh bah écoutez, comme ça ça passe. C'est pas legit mais... En speedrun ça passe. Je vais pas le faire en mode speedrun ce truc. Parce que je suis nul. Ça passe quand même. C'est rigolo. Tant mieux. Bon, on en était là à la base. Hein. Allez, checkpoint. Ça c'est fait. Je suis tombé. Je suis retombé parce que je n'ai même pas pris la peine de sauter.
Je peux pas le couper ce jet là? Non. Ce jet là, je peux pas le couper? D'accord. Donc ce qui me semble difficile, je le passe, et ce qui me semble facile, je le passe pas. C'est ça l'idée. Et de nouveau le portail. Où suis-je? Je suis à gauche. Cette fois-ci, c'est du parcours. D'accord. J'ai compris. J'y étais, j'ai compris. À la moitié du niveau. Ok, checkpoint. Là, on est bon. Un troisième? Non, que deux. Oh! J'avais pas vu ça par contre. Donc il faut les enchaîner, d'accord. Ça, faut les enchaîner. Parce que là, on est bon. Et là, on enchaîne. Et là, c'est la merde parce que je l'ai vu en bas. Je l'ai vu tout en bas. Et il y a les... rien du tout. Attendez, comment je l'ai lui en bas là? Comment je peux la voir? Comme ça. Et là, faut pas se rater. Hop là! Il faut absolument un checkpoint après par contre. Purée, et le checkpoint il est après. Ah.
J'ai foncé dedans. Et là, tranquillement. 1, 2, 3. On attend. Purée, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ou alors je vais d'abord, je remonte, je temporise, je redescends. Comme tout à l'heure. C'est chaud là. Là c'était chaud, j'ai fait me prendre l'hélice. Non. Non, 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 j'ai fait un demi-tour qu'il fallait pas. Ok. Là on est bon. Yes. 615 sur 700. Bon c'est pas grave, le checkpoint est à côté. Raté. Complètement raté. Mais j'ai... Il y a une influence entre les deux G ou pas? Yes, c'est la fin? Oh, trop bien. Yes. L'écran, s'il vous plaît, l'écran peut-il revenir en bas? Je ne vois plus mon personnage. Vous non plus d'ailleurs. Ah, il est sympa ce bug. Là on le voit. Là on le voit quasiment plus. Il y a un souci de caméra sol. C'est bien, c'est parfait. On va passer au niveau 10. 22 ou 24, je ne sais plus. Pour l'instant, il me manque un camarade collègue. J'en ai raté qu'un seul. Attendez, mais c'est par où du coup? Si la flèche m'indique que c'est à droite, maintenant il va falloir y aller quoi. Là je peux pas y aller.
Là, c'est bloqué par là. Disons que c'est par là. Lol. Ça, c'est quoi, ça? D'autres niveaux. Toujours plus. Mais notre rendez-vous est ici. Et on retourne sur un niveau à rebond. J'ai vu des choses en haut que j'ai ratées. Ouais, clairement. Autant se tuer, on va recommencer. Voilà. Ah, le checkpoint ne m'arrange pas. 1, 2, 3, ok, en 3 temps. 1, 2, 3, 4. C'est pas grave, c'est en 4 temps, mais c'est pas grave. Ça passe pas tout à fait, ça passe pas tout à fait. Voilà, là c'est bien là. Purée, dommage. Allez, on y retourne. Tac, tac, c'est bon. On est bon. Stop. Temps mort, rebond. Ah, oh, rebond de trop. Enfin non, rebond raté plutôt. Allez. J'ai failli me le prendre celui-là. Ok, checkpoint. Non, reviens derrière. Yes. Oui, et le portail. Allez. Portail à rebond. Chou. Okay. J'ai pas tout compris là. Attendez, attendez, on refait, on va y aller tranquillement. Bon, vous voyez, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, oh, purée. Je crois que j'ai... Ouais, c'est passé au-dessus, puis passé en dessous. Au-dessus. Au-dessus. Raté. Voilà, c'est bon.
Le jeu, des fois, il te dit, tiens, je vais te faire peur, plus cher joueur, là. On te met pas de plateforme, puis elle arrive la plateforme que quand tu arrives au dernier moment. Ça c'est fait. Oh! Et maintenant? Non! On recommence où? Ok. Ah, il m'a écrasé, mais méchant. Hein. En plein dedans. Allez, ça c'est fait. J'ai pas sauté, j'ai pas sauté. Allez, t'es venu tout à l'heure. Alors non, par contre, ça c'est pas la bonne idée du tout. Je suis là. Coucou. Allô. Salut. J'aurais dû aller à droite. Yes. On attend. On attend. Allez, viens. Allez, viens là. Yes, c'est bon. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Salut. Ok. Ok, checkpoint. C'est bon. Et portail. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être violent. Yes. Ok. Ah,
Je me refais pas le portail, hein, on est d'accord. Non. Voilà, et là. Ok, j'ai compris. Bon, j'ai compris le truc. Faut juste le refaire. Pas assez haut. Ok, temps mort. Checkpoint. Et on est 669. Lui en bas par contre. Ok. Non. Ah purée. Ah mince les pièces. Échec critique. Mais vous êtes malade de rajouter ça? Pas comment le faire. Non, je vois pas du tout comment le passer là. Ok, j'ai compris. Putain, pardon pour les mots. Et il faut refaire tout ça? Non mais faites un jeu encore plus dur la prochaine fois. Ok. Ok, à toi. Toi c'était difficile.
Ça passe. Il me manque deux pièces que je vais récupérer ici. Et voilà. Trois pièces. Trois même. Ouh. Hyper difficile ce niveau. Ah là là. Alors allons-y. On est sur de la peinture rouge. Hein. Y a quoi là-bas? D'accord, c'est juste pour ouvrir ça. Oh non, il y a du vent, je peux pas retourner là-bas. Je vais te faire le tour. Purée. Ok, je comprends pourquoi il y avait de l'encre en fait. Elle est niveau 11, je crois. C'est ça. Wind Walker. Référence à Zelda. Patio d'Incorp. En cas de vent violent, cramponnez-vous. Patio d'Incorp, cramponnez-vous. Va être le slow run le plus long de toute l'histoire du niveau. Ok. On est bon. Là, c'est safe. Et le petit portail. Ah, où suis-je? Je suis là-haut, d'accord. Il va me toucher et voilà. J'ai pas bougé, j'ai juste pas bougé en fait. Et j'ai juste. Fiche, tout à fait. Voilà. Et en plus, ils mettent du rebond. Ah, mais quelle rigolade! Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! C'est...
j'y arrive pas. Je l'ai même pas touché tout à l'heure, je le retouche pas là. Quoi. Ok. Zone safe. Checkpoint. Oui, tout à fait. Là, la scie plus ça, c'est beaucoup quand même. Oh bordel. Alors lui, pour l'avoir... Ok, j'ai rien dit. Bon, maintenant, faut bien jouer. Bon, en fait, checkpoint. Bon, ça va, ok. Je l'ai raté. Je l'ai complètement raté, à moins que rien du tout. Allez, non. Voilà. Pas assez rapide. Pas assez rapide du tout. Hop là, on se tue, c'est pas grave. Il a pas l'air si compliqué que ça à voir. Genre comme ça. Parfait. Et là, faut pas se planter. Ne surtout pas se planter. Non! Je me suis planté. Pourquoi j'ai ralenti? J'aurais dû continuer. Il faut tout refaire. Meurt. Voilà. Ah, encore. Allez, on recommence. Mais j'y suis arrivé une fois, je peux le refaire quand même. Yes. Bon, je l'ai fait, mais c'était la panade. Ok, c'est bon. Allez, de nouveau le piège. Pourquoi j'ai fait la peinture bleue? Oh
Alors ça, c'est rigolo, ça. Hop là, tac. Voilà. Ah ouais. Tu où? Je vais être obligé de faire le tour. Je vais être obligé de faire le tour. Ok. Et maintenant. Il y a 576. Two point. Ça on ramasse en premier. Vaut mieux, je pense, vaut mieux ramasser ça. Mais lui là. Ok, c'est bon. Oh purée, il va en manquer 10. Non, c'est bon. Non, 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 non. Ok. Et là, ça va être drôle. 689. Purée. Et là, je comprends pas comment toutes les avoir. Et là, je tombe. 680. J'espère qu'il y a les 10 dernières à la fin, parce que ça m'embêterait. J'ai eu chaud, le pixel, là. Allez, on y croit. Je suis tombé en plein dedans. Allez, on continue. Il est super difficile ce passage en fait.
Je l'ai pas eu. J'ai pas eu l'ennemi, mais c'est pas grave. Et j'ai pas les 700. Il me manque rien et j'ai pas les 700. C'est le dernier ennemi, je pense, qui me manquait. Et il fallait bien nettoyer les dernières zones de pièces. Et voilà. Et avec la caméra, on voit pas combien il manque. Mais il manque rien du tout et tant pis. C'est dommage. C'est dommage. Et je vais pas refarmer ce niveau, il est hyper difficile. Du coup, on poursuit l'aventure, comme dirait le père Fouras. Poursuivez l'aventure. Tant pis. Ah, faut faire le tour. Mais le tour par où? C'est là-haut. Ok, faut remonter. Trouver l'accès au niveau est un jeu en lui-même, quoi. Peut-être pas par là. Ah voilà, ici. Alors attendez, parce qu'il y a des choses de laser là. 3 items égale une vache robot. Ok. Bon, on va voir comment ça se passe. Voilà. Ça c'est fait et qu'est-ce que je fais? Je tombe. Je pense qu'après le niveau 12, je prends une pause parce que je commence à avoir du mal à réfléchir. C'est le 11 celui-là. Allez,
Voilà. Lui, c'est fait. Et maintenant ? Ouh, la violence. Voilà, lui c'est bon. Ok, là je commence à prendre le coup de main sur le premier collègue. Allez, checkpoint. En haut en premier, je pense. Yes, il y avait un portail. Bien vu. J'ai pas eu le temps de voir qu'ils m'ont tout fait là. Ils m'ont tapé, ils m'ont. Voilà. Mais je vais. Ok. On est bon. Oh là là. Putain. Et je suis même pas à la moitié du jeu. Alors on y croit. C'est un peu rapide là, je trouve. Hein. Attention. Ok, un beau mur. Sauter, sauter, sauter. Wow, 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 wow.
Non. Il a eu chaud le pauvre. Il a vraiment eu chaud. Allez là c'était mort, je me suis bloqué tout seul. On n'est pas à la moitié ni du niveau ni du jeu. Panique. Pourquoi j'ai pas sauté? C'est ici qu'il faudrait le checkpoint en fait. Saute! Ok, checkpoint. Là, il y a pas de laser. Là, il y a laser. Je suis tombé dessus. Alors attendez. Je saute, je monte. Je vais là, je saute, je tire ça. Oh, mais il y a tout, il y a les lasers, il y a... Enfin oui, il y a... en même temps, ce ne sont que des lasers, mais... Ok. On y va, on trace. On trace, on le sauve. On le sauve, j'ai dit. On tombe. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas envie de recommencer tout, s'il vous plaît. La panique, je panique, je panique. Non. Checkpoint. Checkpoint.
Non. Bon, c'est pas grave. On a pu avancer, il y a eu un checkpoint en plus, c'est bien. Mais comme si ce jeu avait besoin de rayons laser, quoi. Qu'est-ce qui manquait à ce jeu pour le rendre plus fun? Des rayons laser. Je râle, mais en fait, c'est super bien pensé, en vrai. Objectivement, c'est super bien pensé. La mécanique est super sympa. Même si c'est méga dur. Voilà, je tombe au moment où il faut pas, quoi. Attendez, attendez. Parce qu'en vrai, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Checkpoint. Checkpoint. 532 sur 700. Et un portail, ça fera une pause. Alors, il y a des lasers de partout. Il y a des rebonds, ça va, c'est la fête. Ok. Ok, c'est bon. 688, il en manque 12. Il en manque 6. Bon, bah, c'est bon. C'est presque bon. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ok. Je sais pas s'il y a une avancée ou pas en fait. Ok, là pas du tout. Ah. On y croit, on y croit. Non, 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 non. J'ai chuté. Je me suis rattrapé, je sais pas comment. Tombe.
Ok, stop, stop. J'étais sur la plateforme, j'y étais, c'est dégueulasse. Plateforme. Ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien. Et là, je fais n'importe quoi, même pas je réfléchis, je parle et. Voilà. Tac. Un, deux, trois. Tac. Pas assez haut. Plateforme. Plateforme. J'y suis. Oh punaise, enfin. On s'en va. C'était le niveau 12. C'est fait le niveau 12, ça y est. 82 sur 154. C'est un peu plus de la moitié des persos, ça. Start. Est-ce qu'on voit... Vous avez complété 33% du jeu. Quelque chose me dit que vous pouvez faire mieux. Et il y a 22 niveaux. Il me manque le 5. Avec parce qu'il manquait des monnaies. Il manque le 11 en monnaie aussi. Ok. Pas mal. Là, ça va se corser encore plus. Je vais m'autoriser une petite pause. Et je me mets devant le niveau, je pense. Et je vais m'autoriser une pause. Quand même. Et on se retrouve juste après. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'association Iva Sound Studio. Sur la campagne, il y a les liens en bio, il y a le bot, il met souvent le lien dans le chat aussi. Et rejoignez Discord, tout ça. Je fais une pause, je reviens de suite, là, dans, disons 10 minutes, le temps de faire un café. 10 minutes. À de suite. YouTube, cordialement bisous, ça sera coupé en deux.